Bonjour, on se trouve aujourd'hui à Saint-Ouen et vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un château, le château de Saint-Ouen, que je vais vous présenter. Suivez-moi. Le château de Saint-Ouen, c'est une commande que le roi Louis XVIII a passée pour Zoé Talon, la comtesse du Quesla. Avant de rentrer dans Paris après la chute de Napoléon, le roi Louis XVIII signe la déclaration de Saint-Ouen le 2 mai 1814. Le château dans lequel le roi a signé la déclaration de Saint-Ouen a été détruit, notamment en 1815 avec l'occupation des alliés de la coalition. Et il était très peiné qu'il ne reste rien comme souvenir de ce moment important. Donc, en même temps qu'il souhaitait faire plaisir à la comtesse du Quesla et lui offrir une maison de plaisance, il voulait que ça soit à Saint-Ouen pour perpétuer le souvenir de ce moment et il voulait le marquer dans les mémoires. La composition du château est vraiment un volume cubique où les façades sont toutes presque identiques. Sur la façade principale, on a ce porche à deux colonnes doriques avec l'équivalent de l'autre côté, du côté de la Seine. C'est un édifice à la composition assez épurée et en même temps très soigné dans ses détails, notamment toutes les baies, sauf celle du rez-de-chaussée, sont surmontées par une plate-bande en fausse coupe et un procédé assez particulier qui permet de montrer des claveaux droits, alors qu'en réalité, ils forment tous une poussée les uns contre les autres et on taille les pierres de manière à ce que ça ne se voit pas. Et ça, c'est un procédé assez discret et en même temps qui coûte cher, qui est difficile à réaliser, qu'on trouve notamment au Louvre, qu'on trouvait aux Tuileries ou encore à l'école militaire. La salle à manger, une des pièces du rez-de-chaussée avec la salle de billard et le salon qui ont conservé leur décor d'origine. Et on peut mieux apprécier la dimension fastueuse du château à l'intérieur, notamment donc avec ce décor, mais aussi avec le mobilier qui aujourd'hui n'est plus sur place et qui ont été confiés à des artistes de premier plan comme l'ébéniste Pierre-Antoine Bélanger et le peintre François Gérard. Ces espaces au rez-de-chaussée sont des lieux de vie pour la comtesse et pour ses enfants, mais ce sont aussi des lieux de réception et d'apparat dans lesquels les artistes réalisaient des compositions savantes en agençant des matériaux comme le stuc, la loupe d'orme qu'on peut voir sur les portes ou les frises de marbre sur les côtés. Et avec le mobilier, ça crée des ensembles avec des ambiances différentes selon les pièces. Ici, c'était plutôt rouge, la salle de billard plutôt bleue. Et le salon plutôt avec de l'or et du verre. La salle de billard, la plus grande pièce du rez-de-chaussée, qui forme une continuité avec le salon. Son décor est assez simple, assez épuré, fait de lambris rechampidor à certains endroits, avec des pilastres doriques, donc avec un côté assez sévère. Un élément intéressant, c'est la disposition de 6 carreaux de marbre dans le parquet pour indiquer l'emplacement du billard. Et puis on a bien sûr ces 4 peintures qui représentaient les 4 saisons faites par François Gérard et qui sont évoquées ici aujourd'hui mais qui ne sont plus en place. C'est la pièce qui est considérée, donc c'est la plus petite, qui est considérée comme la plus précieuse, avec des meubles en bois doré, et où on a disposé une inscription très importante sur le sens qu'on a voulu donner à ce château. Il est écrit ici, le 2 mai 1814, a commencé une ère nouvelle, donc pour bien marquer ce moment fondateur du nouveau régime qu'est la Restauration, qu'est la déclaration de Saint-Ouen par Louis XVIII. Donc en face de cette inscription, on avait un emplacement prévu pour recevoir un grand portrait de Louis XVIII, qui était également l'œuvre de François Gérard, et qui fait vraiment écho à la déclaration de Saint-Ouen, puisqu'on le voit en train de travailler à la rédaction de la charte qu'il va donner aux Français dans son cabinet des Tuileries.
Cette pièce est vraiment le cœur du château, qui a vraiment le rôle mémoriel qui fait que cette petite maison de plaisance a vraiment un sens particulier, où on a voulu en faire un lieu de mémoire. Et d'ailleurs, la comtesse Duquella avait souhaité que la ville de Paris puisse reprendre ce lieu pour en faire un lieu de mémoire. Et que ce soit donc finalement la fonction d'habitation et celle de lieu de mémoire sont vraiment intimement liées ici.